Voilà, deuxième vidéo, la première étant ayant été coupée parce que la carte était full. Alors je récapitule, d'abord coucou à tous les amis trialistes, on se retrouve à Nancy donc au Stanislas Motoclub, président Michel Demange, à qui je fais un coucou ainsi qu'à tous les copains trialistes. Et je continue. Donc j'ai porté plainte hier contre 5 psychiatres inscrits sur la liste de la préfecture, qui sont donc des experts. Donc là j'ai plus du tout envie de rigoler, parce que ces gens-là ont bousillé ma vie. Je ne les nommerai pas, en tout cas il y en a un qui en ce moment il panique, hein. Il me raccroche au nez, hein. Il ne veut pas entendre ce que j'ai à lui dire. Alors hier j'ai très exactement réussi à contacter le secrétariat de l'Ordre National des Médecins, en l'occurrence le docteur Patrick Bouet, à qui je viens de trouver une vidéo qu'il a fait sur le corona, et bon, j'ai tout marqué, je lui ai demandé de me joindre, donc de me contacter au 06 35 17 65 33 ou 06 02 34 95 13, voilà, et donc j'ai envoyé les débuts des éléments de plainte à l'adresse mail que m'a communiqué leur secrétariat. Et donc, il y a aussi donc, au niveau régional, le docteur qui est donc président du Conseil de l'Ordre, qui s'appelle Jean-Marie Letzelter, c'est lui très exactement, à qui je viens de lui, que je viens de trouver une vidéo YouTube. Pareil, donc, contactez-moi au numéro d'avant. Donc, il y a plusieurs, je dirais, d'énigmes, hein, qui, donc, grâce à Dominique Michel, que je salue parce que j'avais aucune notion en droit, et Philippe Pascot, lanceur d'alerte, une victime, la prescription part à partir du moment où une victime se rend compte qu'elle est victime, ce qui est donc le cas à partir du moment de diffusion de cette vidéo. Voilà. Donc, objet des délits, non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui, alors non seulement sur moi-même, parce que ces experts ont maintenant placé, ça continue, ils continuent avec mon fils Lucas, hein, et ils ont mis sous Abilify mon fils Lucas, donc c'est sans fin, on ne peut pas les arrêter. Alors, l'autre danger aussi, c'est qu'il faut savoir que la DSM-5, définit comme maladie psychiatrique l'anticonformisme. C'est-à-dire que ces gens-là se permettent vraiment tout. Hein. Et à l'époque, donc j'ai été diagnostiqué schizophrène dysthymique en 2011, un truc comme ça, pour en juillet 2015 me voir établir par le docteur Olivier Gosselin, qui est non expert, une évaluation globale de fonctionnement de sang sur sang. Attendez, là, ça va. Schizophrène dysthymique, 2011, évaluation globale. Il faut savoir qu'au niveau de l'évaluation globale de fonctionnement, au-dessus de 92, on fait partie d'une élite, on est un surdoué. Hein, voilà. Alors, attendez, voilà. Donc j'ai les témoins, hein, des gens qui m'ont vu dans cet état, dont mon fils Lucas, qui est un dommage collatéral de cette erreur médicale, comme chante... Charlie Couture, hein, mais la loi, cet homme-là est dangereux, il est protégé par la caste des sorciers non conventionnés aux honoraires onéreux. Voilà. Donc je vous invite tous à m'appeler, docteur Jean-Marie Letzelter et docteur Patrick Bouet, pour trouver un accord à l'amiable, plutôt que des longs procès qui n'en finiront plus. Voilà, vous avez bousillé ma vie. Vous commencez à bousiller celle de mon fils, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Voilà, on est des victimes, voilà. Et puis, on demandera réparation de ce préjudice subi. Voilà, merci à Jérémy Meyer de bien t'occuper de Lucas. Et puis, toute la planète triale des selfish.
Arrogant citizen, so am I. Je vous dis à très bientôt, puisqu'on se retrouve pour le premier trial de la saison FFM des trois régions. Le Grand Est de l'année 2020 au Stanislas Motoclub à Nancy. Président Michel Demange, à qui je fais un coucou. La dernière fois, je t'avais envoyé, Michel, une photo où il y avait une carotte dans la bouche qui représentait un cigare et t'avais bien ri. Et alors, je me réjouis de tous au revoir. Hein. Voilà, à très bientôt. Il est 4h20 du matin. J'ai passé une excellente nuit de sommeil. J'ai dormi. 6 heures d'affilée après être parti de chez Jérémy hier soir à Ilkirchgrafenstaden. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon jeudi. Jeudi. Mercredi, c'est le jour des canards. Vendredi, c'est le jour des radars. Et alors jeudi, ah, c'est là que je me mets un mot dieu. Je dis, c'est le jour des experts.